Bonjour Flantil, en ce 22 juillet 2022, sous un très beau soleil, eh bien je suis à l'entrée de la forêt de Monjon, au Havre, où je vois une vieille borne, en granit certainement, je ne sais pas ce que c'est, mais enfin... Et alors il y a un numéro inscrit dessus, 4. Alors est-ce que le chemin est ancien? Je ne me souviens plus, peut-être, il faudrait regarder les plans ou les vieilles photos. La maison de la... est ancienne en tout cas. La maison, la forêt est ancienne. On voit cet ancien. Et puis, alors de l'autre côté, on a d'autres bornes. Beaucoup plus récentes, évidemment. Bah, peut-être. Hein, voilà, deux bornes identiques, blanches. Donc, vous allez me dire, bah, c'est pas tellement intéressant. Bah, en même temps, bah, c'est des traces. On peut se demander pourquoi elles étaient là. Peut-être c'était l'entrée de la forêt, donc de chaque côté il y a différents signes. Alors à dater, et pourquoi, peut-être des signes de reconnaissance. Le numéro 4, pourquoi un numéro 4 ici? Est-ce qu'il y a d'autres bornes qui portent un numéro? Est-ce que c'est ancien ou récent? Un petit mystère de notre forêt qu'on aime bien. Et puis préciser que l'entrée en voiture peut se faire par là, près de la maison de la forêt. Je l'ai découvert parce que on a changé tout le plan de circulation de la forêt de Monjon. Et bah cette forêt de Monjon, elle est moins accessible qu'avant en véhicule, en automobile. Elle est peut-être plus calme, mais on peut quand même y accéder. Et ici, je vous montre la maison de la forêt qui appartient à la ville du Havre et qui appartenait évidemment à l'ancien propriétaire de la forêt de Monjon autrefois, qui était il y a très longtemps une propriété privée. À bientôt.